Ready to pair. Connectez-vous et partagez le direct, s'il vous plaît. Play by USB drive. Partagez. Nous sommes en direct là du 237. Je suis avec mes jeunes frères. Il fait beau ce matin, il y a du soleil. Et nous disons merci pour ce soleil-là. Je suis avec mes jeunes frères. Comme je l'ai dit, partagez le direct afin qu'on soit un maximum de personnes. Je ne suis pas seul, je suis avec des jeunes frères qui ont des choses à dire. Viens t'exprimer. Viens, viens. Non, viens ici. Comment? Ah, ici là. Hein. Voilà, les gars, ils voulaient seulement dire un mot, père. On reste unis et on reste avec la vérité, gars. Quand c'est se tromper, oui, quand on dit la vérité au peuple, il faut qu'ils nous disent la vérité parce que la vérité qu'on veut entendre. Oui, ça dure les décennies, tout et tout et tout. On est fatigué, on est casse-pé. Oui, on dort un peu à cause de vous, vous dérangez à coup. Mais c'est même un peu le sommeil. Oui, c'est tout. Oui. Un peu de sommeil. Et un peu de sommeil. C'est mais tout ce qu'on dit. Exactement, exactement. Quand tu parles d'un peu de sommeil, ça veut dire que tu as perdu le sommeil. Oui, on a perdu le sommeil. On dort, on dort la panique. Non seulement on a peur d'un certain Covid-19, on a aussi peur de notre propre politique à nous. Qu'est-ce que tu penses, toi, du Covid-19 alors? Je pense que le Covid-19, c'est une maladie normale comme les autres, mais selon la politique, il passe toujours le temps, il profite de la politique souvent pour exagérer. Donc je me dis que le politicien, lui, ils font les trucs, ils font les magouilles, ils profitent de la maladie pour nous dire des choses, pour nous mettre en confiance et plutôt tout, c'est un business. Arrêtez de faire le business dans notre dos, on veut plus le business, on veut la vérité, on veut qu'on soit la maladie, oui, qu'on recouvre nos bureaux, on recouvre nos activités, c'est tout ce qu'on vous demande. On ne demande rien d'autre. Ouais, ciao la famille, on reste unis et tous pour le Cameroun. One love. Ok. Bon, je vous l'ai dit, partagez le direct. Hein. Nous sommes quelque part ici, dans une ville du Cameroun. Beaucoup de personnes viendront suivre ce direct par curiosité, parce qu'ils veulent voir quelque chose de nouveau. L'actualité brûle, on parle de tout ce qui se passe. Il y a juste ceux qui ont l'impression de venir glander. Ce que nous faisons, c'est du sérieux. Et nous n'avons pas besoin que ceux qui n'approuvent pas le combat que nous menons, venir nous dire quoi que ce soit. On connaît déjà, je suis avec mes jeunes frères. On connaît ce qui se passe. Je suis avec mes jeunes frères. Vous aurez l'occasion, chacun va s'exprimer à son tour. Parce que c'est la parole au peuple. Ces gens, qu'on dit les Camerounais, qu'on dit 25 millions, 30 millions de Camerounais, on parle de qui? Est-ce qu'on parle d'une catégorie de personnes et on lèse les autres? Aussi longtemps que je détiens la CNI, la carte nationale d'identité camerounaise, cela voudrait dire que je suis Camerounais. Et qui dit Camerounais, dit avec tout ce qui va avec. Et nous avons le droit de nous exprimer, d'entrée de jeu. Il faudrait qu'on installe le décor. C'est on n'a pas peur. C'est on n'a pas peur. OAPP, comme vous l'avez vu. Partagez le direct. C'est on n'a pas peur. Donc, peut-être certains vont être choqués par ce qui se sera dit ici. Mais sachez une chose, c'est que nous sommes des Camerounais avant toute chose. Et nous nous exprimons parce que dans le préambule de la Constitution, il est écrit que aussi longtemps que je détiens
la valeur de citoyen, j'ai le droit de m'exprimer, de dire ce que je pense. Maintenant, je suis responsable de ce que je dis et je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Donc, d'entrée de jeu, je suis venu installer le décor pour vous dire que voilà, on bavarde trop, on raconte des choses. On veut ceci, on veut ceci, on veut ceci, on veut ceci, on veut cela. Il faut qu'à un moment, le peuple camerounais se regarde en face et se dise, qu'est-ce que nous voulons au juste? Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Nous sommes en pleine campagne, hein, campagne contre de lutte contre le Covid-19. C'est de ça qu'il est question. Et avant le Covid-19, avec le Covid, avant le Covid-19, on avait d'autres problèmes. Partagez le direct parce que j'ai des choses à dire. Allez. Yes, Jack Bang. Fosse 46. On a Ushkan Sigo, Anonno. On a Wishobik, Anonno Mi. Tourtou. Banye, bidon cache mi, faut carré. Faut dire c'est Kaji Kachni. Dem de Chouami. Fab sang pour insa solo so grand. Ah oui, faut si amso. Ah oui, abidon tek bachement na 25 kolo. Dando de go na faut ça no, diagram. Proutou dando de go faut ça. Yes. Ouais, comme. Faut situation faut cachine. Adibam na faut fab sang. Faut contre ko, ba gros bradé. Yes, ba kanka escorte, ba sous préfet dem. Wow, faut se kawi bash cachine. Pense à dire na amos grand. Peng Sadi na Amos. Yes, Abidon pousse masque. Abidon, Agotoli, on a son team. Me, na dit single kill me. Parce que me, Ade for Sigman. Ade mi na Sigman. Yes, I get Tunisie. I don't get plenty souffre. Sout Ago réserver all on one ground. That the food team, he humbug me. Na he go kill me. Yes. Attends que Tanya. Ouais. Comme mon frère était en train de parler là, moi je ne sais pas pourquoi nous on a beaucoup de problèmes au Cameroun par rapport au Covid-19. Puisque nous on a beaucoup de problèmes ici, c'est devenu le mangement des hommes en tenue. Comment on peut arrêter sans cache-nez? Ils prennent l'argent, ils mettent dans quelque caisse. Et nous on souffre. On nous manque tout au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive à rien comprendre. Ils veulent seulement nous lancer dans la rue. Puisque vraiment nous sommes même déjà dans la rue, ça ne donne pas. Nous ne parviennent pas à manger. À 16h, on nous ferme comme les canards. Nous n'arrivons à rien comprendre. Nous on ne parviennent plus à manger, même nourrir nos enfants, ça nous dépasse. Baisser un peu le prix des choses au marché. Le carburant. Même le carburant, nous, exemple, moi je suis un transporteur. Il n'arrive pas à comprendre puisqu'on nous demande de porter 3 places. Et les 3 places payent 100 francs marché à ces 100 francs. On porte 3 personnes, 300, c'est pas s'en sort comment. Le soir, le patron attend la recette. Tu vas rentrer chez toi, nourrir ta famille comment? Vraiment, nous sommes dépassés. Nous sommes des transporteurs, nous sommes dépassés pour vous. Et si vous ne voulez pas baisser le prix du carburant, nous sentons que nous-mêmes, nous allons s'entendre et réfléchir autrement. Ça ne va pas. C'est plus mieux. Ça ne va pas. On est des pères de famille. Ça ne va pas. On est des pères de famille. Mais rien ne va, rien ne bouge. Rien. Pour nourrir les enfants, ce n'est pas évident. L'abus d'autorité est partout. Tu veux parler, un monsieur te dit que ta tête même d'abord m'énerve. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que tu as fait pour que ce soit ainsi. Mais quelqu'un te dit ta tête m'énerve, comme s'il pouvait créer un être humain. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Essayez de voir d'autres problèmes. Ça ne va pas. Même par rapport au boulot. Ça ne va pas. Même le travail. Le Covid-19 est arrivé. On vous licencie comme ça, sans rien, aucun papier. Tu ne vaut pas la peine. Tu n'y as pas là où tu peux partir. Tu veux parler, ils ont beaucoup d'argent, ils ont ceci, ils ont cela. On souffre, ça ne va pas, ça étouffe. Franchement, ça étouffe, ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà, je laisse mes jeunes frères s'exprimer. Hein. Nous avons parlé que l'actualité qui brûle actuellement, on dit actualité qui brûle actuellement, oui. Oui. Dire que ce qui chauffe à l'heure, c'est le Covid-19. COVID-19 en avoir confinement, 18h, tout est sec. À 20h, il n'y a plus personne dehors. Dans le log 8, c'est pour 16h. Dans le log 8, c'est pour 14h. Nous sommes devenus des prisonniers dans notre propre pays. Nous n'avons pas à comprendre. Allez chez le blanc avec ça. Nous sommes. Quand on a eu nos problèmes ici, nous n'étions pas là pour nous aider. On ne voit pas le gouvernement. Nous n'étions pas là. Nous avons eu le sida, nous avons eu Ebola au Cameroun.
Il n'y a pas de petit tir au Cameroun. Pourquoi ça arrive chez le blanc? Puisque l'ONU demandait de donner l'argent au président. On ne vole pas. Nous, on ne sent pas ça. Excusez-nous avec ça. Faites-nous travailler. Oui. Nous, on a les problèmes. Nous, on est père des enfants. On est des jeunes battants. Le blanc, en parlant, a fermé tout le monde. Il nourrit toute sa population. Le blanc nourrit toute sa population. Pourquoi nous? S'il y a une petite subvention, ça va caler loin en haut. C'est arrivé, non? Tu as vu l'autre? Ça va arriver. C'est que les Chinois ont envoyé là. Le milliardaire chinois a envoyé. On a beaucoup de problèmes. Excusez-nous, vous pouvez un peu nous excuser. Parce que si ça ne va pas, nous sommes prêts. Nous sommes des jeunes Camerounais. Et nous sommes prêts à tout faire pour arrêter tout ça. Tout à fait. Nous, on ne dépend pas de l'État. Nous, on respecte seulement l'État. Parce que si ça ne va pas, nous-mêmes, on tombe dans la rue et on va tout gâter. Donc, essayez de voir ce qui peut un peu se passer avec le peuple camerounais. Je vous ai dit que certains vont être choqués par ce qui va être dit. Les jeunes Camerounais s'expriment. Ils en ont le droit. Ils en ont le droit. Non à la violence. Oui, au dialogue. Au dialogue. Oui. Oui, devons ça dialogue, on aime bien massacrer Widasso. C'est pour ça qu'à cacher nous, on va putain. Il n'y a pas que quelqu'un parmi nous ait un extrait de casier judiciaire ou bien quoi que ce soit. Oui. Aucun problème avec la loi, jamais. Mais ça ne va pas. Manger, il n'y a pas moyen. Ça ne va pas. Mais Colombe, on dit que Corona. Même nos mamans que nous allons voir vendre ce que nous on peut manger à 18h. Nous, on va verser l'eau dans la nourriture. Ça veut dire quoi? Les mamans préparent pour nous aider. Nous, ce n'est pas tout le monde qui est marié, hein. Il y a des célibataires parmi nous. Normalement. Excusez-nous, et nous sommes des travailleurs, il y a beaucoup de célibataires. Et ce n'est pas chaque Camerounais qui a l'argent pour rationner une femme de préparer. Il n'y a pas l'argent au Cameroun. Donc, excusez-nous. Le mariage même au Cameroun, bêta, nous on fait un exemple comme moi. Je suis père de 4 enfants, mais je n'ai pas une femme. Allô. Je suis père des enfants, parce que le Cameroun ne donne pas. Je n'ai pas eu moyen de regarder si cet enfant-là reste avec les femmes. On travaille quoi? Je suis dehors, je suis un taximan tous les jours, je paye ma tête en haut. Qu'est-ce qui se passe? On t'arrête, tu n'as pas ceci, tu n'as pas ceci, on te crée les motifs, c'est toujours l'argent qu'on donne. On prend cet argent où? Vous voulez quoi? Excusez-nous, excusez le peuple camerounais, s'il vous plaît. Laissez-nous. Comme je l'ai dit tantôt, partagez. Grand Dany, Dany Bo. Hein? Le Dany Bo. Salut, je vous remercie. Ici c'est le Cameroun 237 et nous sommes contents de vous recevoir. Et vraiment, nous remercions le grand frère parce qu'il est toujours avec la population. Nous remercions aussi le Cameroun, vraiment. Nous vous disons de nous soutenir parce que le Cameroun vraiment va très mal en ce moment. Le grand frère dans sa bataille, vraiment, il faudrait le donner coup de chapeau parce que la jeunesse veut vraiment mourir. La jeunesse veut mourir. Où nous sommes là, nous ne vivons plus normalement et nous avons parlé de ça et nous parlons tous les jours. Que tu sois jeune de n'importe où, tu as le droit de t'élever aujourd'hui et représenter le Cameroun. C'est le 237. Nous vous disons que le Cameroun ne va pas bien. Covid-19, ça nous rend dingue. Nous, on reste à la maison, on ne mange rien, on n'a rien à manger. Même les cash-nets, il faut acheter. Ça, c'est vraiment la dégaine. C'est la dégaine au pays. Vraiment. Il faudrait que ça change. Comme il a dit, le système en place, il faut réagir. Pardon, réagissez. Nous avons marre. Parce que tous les jours, on parle comme ça. Vous croyez que c'est les blagues, mais c'est notre Cameroun aussi. C'est aussi notre pays. Ce n'est pas pour vous seuls avec les gros cylindrés et les vestes, cravates que vous portez tous les jours. Nous, on a marre de ça. Il faudrait que ça change maintenant. Oui. Ça doit changer. Et ça doit changer dans la paix. Je vous parle encore comme ça parce que nous sommes les enfants de la paix. Nous aimons beaucoup la paix. Nous aimons notre Cameroun parce que c'est un pays d'abord de paix. Et le changement doit se faire dans la paix et dans les représailles. On doit laisser le pouvoir en toute tranquillité et puis on doit poursuivre la bataille tous ensemble. Oui. Je vous remercie vraiment pour cette directe. Et je vous tire coup de chapeau, vous qui nous écoutez. Et le Cameroun va très mal, c'est tout ce que je peux dire. La seule voix par qui on peut s'exprimer un jour. Viens parler, viens dire, tu as la parole. Oui. Ce que j'ai dit, c'est que merci au grand frère, franchement, c'est la première fois que je peux m'exprimer par rapport à ces choses que je ressens et qui me met vraiment, vraiment hors d'état de moi. Parce que ça bascule à tout moment, on ne peut pas savoir à quel moment ça peut basculer dans la tête d'un homme. Je dis vraiment merci, parce que c'est la toute première fois.
que j'ai la possibilité de m'exprimer comme ça par rapport à mon pays. Je ne sais même pas si demain peut-être je serai ou je ne sais pas quoi. Parce que ça ne va pas. Oui. Allô, yo, 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 moi c'est grand-père. On m'appelle grand-père, oui, c'est lui-même grand-père. S'il te plaît, laissez-nous un peu respirer. Nous là, on travaille pour nous la nuit. Quand on dit à 16h, 17h là, on a tout fermé là. Nous on va faire comment pour nourrir aussi nos petites familles. Yo, regardez un peu, regardez tous ceux qui sont là. D'autres sont là comme ça, là, ils couvrent la bande. Oui, ils peuvent couvrir la bande. Nous là, yo, on va nous créer des darmans, des fous, des ceci. Mais Aïna, oui, yo, grand-père que tu vois là, il ne dérange pas. Mais son rôle dans la vie, c'est de travailler dans la nuit. Mais je travaille dans la nuit sans nuit. Comment à 17 ans on va fermer? Je suis un père de 5 enfants. Hein? Et je cherche à joindre les deux pour nourrir cette petite famille. Quand vous nous voyez là, nous les jeunes là, nous sommes quittés comme ça, là, très loin pour venir où nous sommes là, s'amuser. Il y a ceux qui sortent de Bajon, Baché, Baham. Hein? Mais yo, Anawe, le frère que vous voyez là, il nous disait à s'exprimer devant vous. Ce n'est plus la peur, on n'a pas peur. Et on n'offense personne, mais ne nous offensez pas. Ne croyez pas qu'avec vos richesses, là, vos argent, ce que vous dites diaspora, c'est cela, cela, là. Vous ne pouvez pas nous nier. Nous sommes Camerounais, nous sommes libres de s'exprimer. Quand je n'ai en avoué, mon frère, c'est 5 000. On dit, on t'arrête, c'est 6 000. Tu n'as pas mis, waouh, ça part dans quelle caisse. Je préfère quand on arrête quelqu'un comme ça, on dit que bon, tu n'as pas mis ton cash, mais on t'amène à l'hôpital général, là. Central, là, ceci, cela, cela. On te dépiste. Si tu es atteint, on te frappe. Mais quand on t'arrête, on t'amène seulement encore en cellule. Tu vas arriver là-bas, on est en quarantaine, on voit au moins ces 80 personnes en cellule. Hein? Ça ne donne pas, ça ne donne pas. Nous sommes nous fatigués. Peut-être qu'on a dit au Niela de nous, on a donné tout ça, 10 quarantaines là, pour de nous mettre que mal à l'aise. Nous prendre comme ça, un Camerounais de mon état, père de 5 enfants. On te prend que tu n'as pas au cash, j'ai 6 000. 6 000 là aujourd'hui là. Quand on dit que tu ne travailles plus la nuit là, et c'est ton heure de travail, tu dois faire comment pour avoir? Tu ne peux pas avoir. Donc, yo, nous on parle comme ça, nous on sait que vous nous voyez. Mais mettez-nous à l'aise, nous on vous on travaille, nous à l'aise, nous on ne doit pas vous gêner, nous on ne vous gêne jamais. Laissez-nous. Laissez-nous ce qu'on dit que 16h, 17h, 18h là. C'est à l'heure là qu'un autre Camerounais couvre son compte, sans nuire à l'autre. Il y a beaucoup de métiers dans la vie. Oh yo, ciao, on se prend. Yo. Ouais, c'est encore la Daniel qui arrive encore avec vous. Salut à vous, c'est Taïli, non, personne qui vous parle. Puisque pour le moment, mes frères ont beaucoup parlé et vous avez suivi nos doléances. Et c'est notre première fois. Nous, on a l'occasion de causer un peu avec vous aussi comme ça, parce que nous, on a eu l'un de nos frères qui peut aussi nous faire causer en direct avec les membres de la diaspora. Parce que nous, on sait que nous sommes en train de vous êtes en train de nous écouter correctement et bien. Et les types qu'on nous appelle quarantaine, nous les Camerounais, à nos jours, quand tu arrives à l'hôpital, tu as le palu, on te met une fois en quarantaine, on dit qu'il a le courrier. Ça veut dire quoi? C'est comme ça qu'on t'envoie te contaminer, ce n'est pas normal. Donc, excusez-nous avec les types de quarantaine, nous on ne connaît pas ça. Nous on ne connaît pas ça. Allez faire ça chez vous, nous on ne connaît pas les types de quarantaine. Nous ne sommes pas des prisonniers dans notre propre pays. Quand quelqu'un meurt comme ça, là, oui. On dit que même quand on baisse le cache-nez comme ça, là, tu dois payer 2000 francs. Quand quelqu'un meurt de la tuberculose, maintenant, dit ce corona. Les 6000 francs, là, ça part. Quand les personnes pulmonaires, son jour arrive pour d'ailleurs, on dit corona. Aidez-nous à remédier à cette situation. Vous avez vu qui rien ne va plus dans cette quel pays. Camerounais est mort vraiment, de corona qui n'a pas 200 milliards dans son compte. Remédier à cette situation-là. Ils viennent nous contaminer avec ça. Nous, on ne veut plus au pays. Nous, on ne connaît pas ça. C'est l'insecte là-bas. Que nous excusent avec leur sorcellerie. Pardon. On n'a pas beaucoup à dire. Si moi-même aujourd'hui, je suis malade et je ne peux plus aller à l'hôpital, moi, reste-moi à la maison. Puisque je vais aller à l'hôpital, on me met en quarantaine. Je ne peux pas. La quarantaine, c'est quoi? On te mélange avec ceux qui sont malades et puis tant que tu n'es pas même malade. Même les injections qu'on nous met. Les injections, on ne fait que nous. Ça ne donne plus. Nous, on ne veut même plus. Les trucs de l'hôpital, là, arrêtez. Nous, on va se soigner avec à base de nos herbes naturelles. Nous, on n'est plus avec vous. Salut. La jeunesse camerounaise, ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous sommes où? Nous sommes où? Tu ne peux pas marcher comme ça là pour. Tu ne peux pas marcher comme ça pour aller regarder ton voisin comme ça pour lui. Il faut aller lui regarder, il faut mettre que tout. On ne te contrôle pas partout en route pour que tu passes. Ça ne va pas. Et pour que tu peux te contrôler, mais on te malaxe en désordre. C'est pourquoi on parle. La jeunesse camerounaise est où? Ça ne va pas, pardon. Je n'ai pas beaucoup à dire. Libérez-nous, pardon.
Ça ne va pas. Le grand n'a pas beaucoup à dire parce qu'il est étouffé. Il est étouffé. Il ne sait pas ce qu'il va dire parce qu'il est étouffé. Vraiment, c'est étouffant. On ne sait pas par où on va commencer. On ne sait pas par où on va commencer. Tu veux faire comme ça. Il y a, tu, de tous les sens, on est vraiment étouffé. C'est à bout de souffle. Franchement, autant de choses. Comme je l'ai dit dans mes précédents directs, que je n'ai pas le temps de lire les commentaires. Je les relis après parce qu'il est difficile pour moi de lire au même moment. J'ai pas le son là, vous. Comme je l'ai dit tantôt. Mais nous sommes là, non? Ils ne sont pas sûrs. Okay. Non, c'est pas ça. Je dis que j'ai pas l'habitude de lire les commentaires. Je ne serai pas très long aujourd'hui. Je vous laisse simplement dire, regardez, mes jeunes frères qui sont là. Je parle ici en présence de tous ceux qui ont pu s'exprimer. Peut-être d'autres s'exprimeront encore plus tard. Mais je voudrais dire une chose aujourd'hui, c'est que l'actualité qu'on nous impose, c'est le Covid-19. Mais il y a une autre actualité. Le Covid n'est venu faire que réveiller ce qui avait dormant, ce qui était dormant au Cameroun. La jeunesse en a marre. Et OAPPLA, aujourd'hui, pour le dire, nous avons décidé, pas décidé comme si nous en avions le pouvoir. On n'a pas peur, tout simplement. On n'a pas peur. Quoi qu'il advienne, c'était le destin. Nous sommes habitués, comme il dit, nous sommes habitués au choc. Je ne vais pas trop parler. Je dis, trop parler, c'est maladie, comme disaient les Ivoiriens. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui ne va pas dans ce pays. Ce qui a défrayé la chronique hier. Les gens sont venus expliquer comment c'était un montage vidéo. C'était un montage et tout. C'est pas ça l'actualité, que ce soit un montage ou pas. Quel est ce que ça change dans le quotidien du Camerounais, lambda, des Camerounais lambda que nous sommes. Ouais. Le fait de savoir que la vidéo était montée ou pas, c'est le même système qui se perpétue. On vous donne de quoi blablater, de quoi bavarder, et puis voilà. On perd de vue le véritable combat. Nous sommes au 237 et c'est ici que ça se passe. Cette jeunesse, elle est là avec nous. Elle est prête. Elle est prête, on le dit depuis des jours. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. On a dit les lions indomptables. Nous sommes prêts. Mais le pain Sardine, c'est combien grand? L'homme est prêt à dégager. Le pain Sardine, c'est combien? Donc, c'est si à tout cas chaud, vous ne pouvez pas nous partager. Il n'y a plus la peur. Vous ne pouvez pas nous partager. On n'a pas peur. Nous, on ne veut même plus ça. Pain Sardine n'a pas mort. Excusez-nous avec ça. La misère est devenue le quotidien. Si c'est pour venir nous dire que vous aurez l'eau, il y aura la lumière, vous avez tout à votre disposition. Ou Pain Sardine pour embrouiller les vieilles remets, les vieux. Tu ne travailles pas au Cameroun. Mais entre temps, partagez à l'homme le tout. Au Cameroun. Partagez à l'homme ça. Il n'y a pas l'argent. Tout partager les mais je vois dans le monde. Le prix même de la que la Sonnel baisse le prix du courant. Nous, on paye l'eau, nous, on paye le câble. On paye tout. On loue les maisons. On ferme à 16h. C'est pourquoi nous, on prend l'argent. Vous voulez quoi? Vraiment. Bref, on n'a pas besoin d'expliquer là. C'est depuis des années que les Camerounais vivent comme ceci et que le régime n'a fait que dégrader la situation sociale du Camerounais que nous sommes. Avant, on parle toujours d'avant, il y avait. Mm-hmm. Avant, il y avait. Mais aujourd'hui, nous voyons la réalité sur le terrain. Les prises en charge dans les hôpitaux, dans les différents centres de santé. Même quand tu as le palu aujourd'hui, tu as même peur d'aller au centre de santé. Parce qu'en Aoué, qu'on va, tu n'as que c'est le palu. Mais les Manu Dibangoda, ils disent que c'est Covid-19 grand. Vrai, vrai. Est-ce que le repère n'a pas vécu, vrai, vrai? Il n'a pas été, déjà. Hein? Celui qu'on espère même qu'il taille, même il ne taille même pas, mon frère. Les photos Vitom, on dit que c'est le Covid-19. Les gens ne devaient pas. À quel âge? Ils sont déjà vieux. Et nous, on demande à notre président de parler par rapport à ça. Mais on a besoin que le président parle par rapport à ça. Donc, normalement. Tu as encore où il va parler? Il faut qu'il parle. Ça va changer quoi sur le quotidien? Même s'il parle. Ça va changer quoi sur nous? Sa parole fait quoi? Sa parole fait jaillir. Est-ce qu'il devait être éternel? Hein? Sa parole, c'est quoi? Donc, sa parole fabrique l'argent. Normalement, les gens de 82 là vont d'ailleurs. Tous les présidents ont mis leur population à l'aise. Les pays africains sont. Je laisse s'exprimer. Exprimez-vous. Monétaire. Regardez les jeunes frères.
n'aie pas besoin de trop parler. Partagez afin que le maximum de personnes soient touchées. Le blanc, c'est qui par rapport à nous? Ouais, d'abord que le rhume d'abord tue le blanc. Dès que le rhume s'est cassé, rhume, ça lui met mal à l'aise. C'est l'expression que celui qui va juger ces jeunes, sous prétexte qu'ils sont ignorants, ils sont inconscients, si vous étiez dans leur réalité, dans leur environnement, vous réfléchiriez pareil. C'est de ça qu'il est question. Il faut comprendre la détresse du peuple camerounais. Et quand certaines personnes s'étonnent, quand les Camerounais sont incapables de se confiner, chacun chez eux, ça veut dire que nous légitimons ceux qui disent que les Camerounais vont bien. Nous légitimons ce que le gouvernement dit. Nous ne pouvons pas nous exprimer en disant que nous allons mal. Et puis on nous demande de nous confiner sagement, on va se confiner tout tranquillement parce qu'on va manger quoi demain? C'est par nos réactions-ci que vous comprenez que ça va vraiment mal au pays. On ne peut pas se confiner. Tu vas manger quoi demain? Tu vas payer le loyer avec quoi demain? Payer la lumière. Payer la lumière, tout ça là. Ils vivent au jour le jour. Tout ça même, c'est le détail, la nutrition même, c'est le manque. La santé, la santé. Le minimum de palu là, est-ce que l'État camerounais nous garantit le traitement du palu? Comme dans certains pays africains, moins nantis que nous. Moins nantis que nous. Au moins, les premiers soins là sont gratuits. Du moment où tu justifies, hein, d'y avoir droit. Mais c'est de ça qu'il est question. Voilà. Les gens ont du mal à se confiner. Et nous avons la charge. Et nous avons le réflexe d'être la voix de ceux que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Qu'ils s'expriment de cette façon pour que vous compreniez la gravité de là où nous nous trouvons actuellement. Le Cameroun est en danger. Le Cameroun est en danger. Et je le dis, je pèse mes mots. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train de vouloir déferler. Mais la réalité est celle-ci. Nous sommes sur place et nous sommes prêts. C'est le destin, c'était écrit. Nous ne refaisons pas le monde. Nous sommes venus trouver un monde trop vieux pour nous. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Vous comprenez? C'est ce message que nous voulons passer aujourd'hui. Et j'ai intitulé « Résurrection ». Résurrection pour plusieurs raisons. Déjà de un, ce qui a défrayé la chronique hier. Et de deux, de dire que nous ne sommes plus en train de demander aux gens de descendre dans la rue. Nous y sommes déjà. Nous sommes sortis de chez nous pour ne plus retourner chez nous. Comme nous sommes sortis aujourd'hui, nous ne retournons plus chez nous. Et c'est de ça qu'il est question. On a déjà 165 cas. Nous ne rentrons plus chez nous aujourd'hui. Nous sommes sortis et c'était bon. Donc je demande à tous les Camerounais qui m'écoutent, partagez, partagez. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes déjà dans la rue. Nous sommes déjà dehors. Il n'y a plus qu'on va aller se coucher pour dormir. À l'instant où je vous parle, nous sommes déjà dehors. Et ne nous cherchez plus parce que nous sommes dans la nature. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Je tenais à vous le préciser. Donc, je ne veux pas être long, je vais m'arrêter là. Partagez l'information et partagez le direct. Nous sommes déjà dans la rue. Et nous sommes vivants, nous sommes dans la rue. On a dit la rue, oui la rue, elle est où donc? Nous voici. Et je demande à chaque Camerounais de sortir me rejoindre dans la rue. Oui, sortons tous. Ne reste pas, tu penses que c'est l'affaire des autres. Nous sommes dedans, sors aussi dans la rue où tu te trouves. Jusqu'à, si tu sors dans la rue à 17h, il n'y a pas de problème, rejoins-nous. Nous sommes déjà dehors. Même si c'est à quelle heure, jusqu'à. C'est non-stop, illimité. Sortez, sortez, sortez. Il n'y a pas un jour où on va leur dire qu'on descend dans la rue. Ils ont menti. Ils attendent qu'on leur dise que samedi. On va aller s'asseoir. On ne s'assoit pas samedi. Nous, on est déjà dehors.
On attend quoi? On donne le signal de quelque chose. On dit à l'adversaire que je vais venir faire quelque chose. Nous sommes dehors, nous voici comme ça dehors. Et ceux qui ne me croient pas verront. Allez, ciao.